voit Boris là-bas. Ah, voilà Boris. Oui, ça y est, on se rapproche. Quatre kilomètres quand même, Boris. Et voilà, on commence à revoir Bureau Vallée. 35% de batterie, aïe aïe aïe. Et voilà, Bureau Vallée qui a des problèmes et qui est quand même un beau bateau. Pas beau ça? Sous speed dans l'océan Indien, au Pacifique, enfin bientôt à la limite entre les deux. Bravo petit drone. Après le survol en drone de Boris Herman, que l'on voit là derrière. Voilà, maintenant il le rencontre avec Damien Seguin. Et à l'AIS devant, il doit y avoir Jean Le Cam. Nous, on a toujours notre grand voile à riser, parce qu'on ne peut pas l'envoyer jusqu'en haut. Voilà, c'est le truc très bizarre de la course large, je ne pose pas. C'est le vent. Deux bateaux l'un à côté de l'autre, 140, 140 pas. C'est comme une course automobile où il y en a un, il a de l'essence et l'autre, il n'a pas d'essence. Là, bah, Boris, il a de l'essence, il avance. Exactement. Et puis Damien, bah, lui, non. Il n'a pas le droit. Donc il se fait doubler en direct. Voilà, image depuis Bureau Vallée. Et là-bas, toujours Benjamin Dutreux et Charles Le Cam. Ah bah ben non, finalement, Boris décide de loper et de doubler à piscine en passant à son vent. Il n'y arrivait pas en passant en dessous, parce qu'il était déventé. Donc il a lopé, il lui a pris son vent et il l'a doublé. Et là, ils sont en train de parler à la VHF. Conversation entre Boris Herman et Damien. Allez, tout va bien, ça remonte le moral malgré les avaries. À bientôt, ciao.